Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comme chaque vidéo qu'on fait ensemble. On va faire une nuit avec plein de challenges, toutes les minutes des petits challenges comme ça. Il est quelle heure? Minuit 41 et ça ne fait que commencer. Nous allons faire le premier défi, du coup c'est parti. Premier défi consiste à se mettre en slip et de faire tout le tour de lotissement pour savoir qui va faire le défi. On a un pneu, Nise est dessus, on a un pneu ici et celui qui balance le pneu le plus loin ne fait pas le défi et le moins loin, bah il fait le défi. Du coup c'est parti pour le défi. On est vraiment trop con. Je me mets là-bas. C'est bon? Tu le cours, ça? Je vais même pas aller haut. Ah, gros, je me suis niqué le bras. Et je pense que si je l'avais pas arrêté, il serait parti super loin, mec. Si on l'aurait pas arrêté, il aurait foncé dans la maison clairement. Je pense qu'on a coursé jusqu'à 50 mètres. Du coup les gars, c'est parti pour le lancer de pneus. 3, 2, 1. Oh. Les gars, il part super loin. Non gros, il s'est arrêté là. Bon bah du coup les gars, j'ai perdu le défi. On va faire ce qu'il faut faire. Ah mais hey, j'ai niqué mon bracelet. Sérieux? Deux ans, je l'ai. C'est un petit Renoir. Il m'a donné ça, il m'a dit tiens, c'est pour toi. Faire en slip parce que à minuit il y en a toujours qui promènent leur chien. Noni. Du coup, pour le deuxième défi, nous allons employer le jeu des côtes. Vous avez sûrement déjà vu Hugo Posé et Fast Good Cuisine le faire. Je vais dire un numéro entre 1 et 10. Et si Nice dit le même que moi, c'est lui qui prend le gage. C'est réciproque aussi pour moi. Et le gage, c'est d'appeler un numéro sans le numéro masqué. C'est la troisième fois, putain! Bonjour, Orange vous informe. Bon, vu que personne répondait à mes appels, on a changé le gage et du coup, je vais devoir pousser des cris sur un poteau comme si je faisais l'amour avec. C'est parti, Galantix, fais-nous rêver. Déjà, on entend le bruit. Oh, tu as cassé les... Peggy 18. Pas trop long. Oh. Ah. Ah. Ouh. Ah. Tout simplement départagé par quand pile ou face. Viens, on le fait tous les deux. Comme ça, c'est ouais, ouais. Pile, on la mange. Si c'est face, on mange pas. Du coup, c'est parti. Moi je la fais les gars. C'est face là? Non, c'est pile, regarde. Il y a un. Ah ouais, c'est pile. 3, 2, 1. Crache-moi un peu dessus, dis donc.
Le défi qui va suivre, c'est même pas un défi, hein, comment je peux vous dire. Nous allons rendre l'argent aux abonnés avec des pièces d'un centime. Nous allons les mettre dans les boîtes aux lettres. Du coup, c'est parti, c'est cadeau. Oh, vas-y, donne-leur, c'est cadeau. Non, mais ils sont gentils, parce que... Il est content, il a donné un centime. Attends, ici aussi. Natacha, 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 Natacha. Hola, hola, Natacha. On est vraiment très gentils, nous. Allez. C'est cadeau. Celle-ci, je vais la balancer comme ça. Ce sera celui qui la prendra comme un tout tri. Voilà, pour ceux qui veulent avoir une pièce, elle est ici, la pièce d'un centime. Venez la chercher. Putain, 3h20 du matin. On est complètement KO. Là, on se retrouve pour le dernier défi. Celui qui crache le moins loin avec sous crachat, bien sûr, il aura la chance de dormir dehors sous un carton. Ah oui, chez qui je commence. Le premier départ, le c'est le chapeau qui passe. Ça y est, le chapeau qui est parti. L'Express, le TGV est parti. Chapeau, dans sa copine, encore du monde. Le chapeau. Les gars, c'est moi qui va devoir passer le reste de la nuit sous une couette de carton dehors. Faut vraiment faire vidéo. Et au cas où, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo comme on a aimé la tournée. Likez et abonnez-vous parce qu'on a quand même donné, quand même pas mal d'argent. Et du coup, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne de Nine. À ma chaîne, ça me ferait super plaisir. On se quitte sur les images de moi qui dort. Allez, salut!